Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al 24 News. Ce soir, nous recevons sur le plateau d'Al 24 News Monsieur Riyad Sidaoui. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, vous allez bien? Merci beaucoup, merci pour l'invitation, c'est un plaisir. C'est un plaisir pour nous aussi. Alors vous êtes directeur du Centre arabe d'études politiques et sociales de Genève. Vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages, hein, nous en parlerons plus longuement à la fin de notre entretien, avec des analyses politiques profondes et pertinentes, et des analyses basées sur des informations fiables. Je citerai notamment « Du printemps arabe à Daesh » paru en 2017 aux éditions Apollonia. Et comme je le disais, nous y reviendrons un peu plus tard. Sans plus tarder, Monsieur Sidaoui, entrons dans le vif du sujet. Monsieur Sidaoui, vous êtes à Alger et nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Nous sommes à moins d'un mois d'un événement majeur pour l'Algérie, le sommet arabe d'Alger, qui aura lieu donc le 1er et 2 novembre prochain. L'Algérie a déployé d'importants efforts et a réuni les meilleurs moyens et les meilleures conditions pour l'organisation de ce sommet arabe d'Alger, et aussi et surtout pour en faire une réussite. Quelle sera, selon vous, la particularité de ce sommet? C'est le symbole du lieu et le symbole du timing. Le timing, c'est le 1er novembre. Dire le 1er novembre, c'est dire le déclenchement d'une révolution humaine magnifique, extraordinaire, qui a changé l'histoire de la colonisation. C'est la lutte contre les colonisateurs, c'est la victoire contre les colonisateurs, c'est la fierté nationale pour les Algériens et pour tous les Arabes. Le lieu, c'est le lieu des martyrs. C'est 1,5 million de martyrs. Moi, quand je fais un tour à Alger, je suis dans l'avenue Didouch Mourad, Moustapha Ben Boulaïd, Amirouche, et ces grands héros qui ont changé l'histoire algérienne. Et ça donne l'espoir à tous les Arabes qu'on peut, on est une nation forte, fière de son histoire, fière de la révolution algérienne. Donc c'est un grand espoir pour tous les Arabes, parce qu'en Algérie, on a la garantie que ce sommet arabe va nous donner des conclusions en faveur de la nation arabe, pas comme la catastrophe de 2011. Alors justement, le sommet arabe d'Alger, on le qualifie déjà d'inédit, hein, voire même d'exceptionnel. On a déjà eu la confirmation de la participation de plusieurs dirigeants et chefs d'État. Absolument. Dire l'Algérie, c'est dire le respect. On respecte l'Algérie, l'image de l'Algérie au sein du monde arabe, au plan africain ou au plan mondial, c'est toujours le respect. L'Algérie, la diplomatie algérienne, qui a une expérience intelligente, qui a refusé toujours de prendre une partie contre une autre, qui a été toujours une diplomatie qui rassemble les Arabes, la même chose en Libye, qui rassemble les Libyens. La solution toujours doit être libyenne, la solution doit être arabe, contre toute ingérence étrangère, contre l'ingérence de l'OTAN, des forces internationales, et c'est ça la diplomatie algérienne. Donc parler de l'Algérie, c'est parler du respect. Très bien, alors il faut aussi souligner que ce sommet se tient à une date très importante pour l'Algérie, vous le disiez, hein, le 1er novembre, une date pas seulement importante pour la révolution donc, de novembre, elle a été également source d'inspiration pour plusieurs pays arabes, mais aussi des pays africains. Absolument, des pays africains, le sud de l'Afrique, Nelson Mandela, des pays en Amérique latine, ça inspire comment de rien on déclenche une révolution et on gagne contre une puissance mondiale qui est la France. La France a mis plus qu'un demi-million de soldats et officiers en Algérie, mais avec ces révolutionnaires, ces paysans, ces Algériens, sans rien du tout, ils ont gagné quand même cette révolution. Donc ça inspire toute l'humanité. L'héritage de la révolution algérienne n'est pas uniquement un héritage algérien, mais arabe, africain et mondial et humain. Et c'est pas pour rien qu'on appelle Alger la Mecque des révolutionnaires. Absolument, c'était le slogan depuis la révolution, la Mecque des révolutionnaires. Ben Bella, elle m'a raconté comment Ahmed Ben Bella, comment il a reçu Che Guevara à Alger, etc. Moment historique. Pour Castro et Che Guevara, c'est la Mecque des révolutionnaires, l'Algérie. Très bien, très bien. Alors ce sommet arabe, on y revient. Alger le veut rassembleur, avec comme dossier central, on le rappelle, le dossier palestinien, la Palestine. Il faut dire qu'un énorme travail en coulisses a été fait, hein, par la diplomatie algérienne pour justement tenter de réunifier les protagonistes, les rangs des frères protagonistes palestiniens, et permettre donc à la Palestine d'avoir un seul interlocuteur, un seul représentant. Pensez-vous que l'Algérie réussira ce pari? Absolument, parce qu'il y a le modèle algérien, le modèle de la révolution algérienne.
L'Algérie a dit aux Palestiniens, regardez ce qu'a fait le FLN, a rassemblé tous les Algériens. C'était le seul et l'unique représentant de la révolution algérienne. Même les adhérents des partis qui ont adhéré à la révolution algérienne en 1956, en tant qu'individus, ils n'ont pas en tant que parti politique. Donc, vous, les Palestiniens, inspirez-vous de modèles algériens, unissez vos forces parce que l'entité sioniste essaie de trouver des brèches dans vos luttes internes. Donc, unissez vos forces, faites comme la révolution algérienne, gagnez cette guerre en unissant vos forces. Et justement, toujours dans la question palestinienne, hein, une fois qu'il y aura un seul interlocuteur, pourrons-nous, selon vous, avancer dans ce processus de la Palestine, dans ce dossier palestinien, et vers la création donc de deux États ? Oui, absolument. Donc, l'Algérie soutient la Palestine, évidemment, historiquement. Et aujourd'hui, surtout, nous savons bien, malheureusement, que la cause palestinienne a été marginalisée dans les sommets arabes précédents. Mais avec l'Algérie, la cause palestinienne va revenir à la une, va revenir comme cause centrale pour tous les pays arabes. Donc, tous les pays arabes doivent être engagés vis-à-vis de la cause palestinienne. C'est fini l'époque de la marginalisation de la cause palestinienne. Et donc le rôle de l'Algérie est important. Rappelez-vous aussi, en juillet dernier à Alger, l'accolade qu'il y a eu entre le président palestinien Mahmoud Abbas et le chef du bureau politique du mouvement palestinien Hamas, Ismaïl Haniyeh, et tout ça sous le regard bienveillant donc du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Absolument, c'est vraiment un pas extraordinaire de l'Algérie de rassembler les Palestiniens. Il faut mettre fin à leur discorde, il faut mettre fin à leur fragmentation, il faut unir leurs forces, s'inspirer de l'Algérien, s'inspirer de la révolution algérienne. Unissez-vous contre une entité sioniste qui cherche toujours des brèches afin de détruire cette cause, afin de détruire les Palestiniens. Et l'espoir est bien là, hein, donc pour réunir et réunifier les factions palestiniennes, selon vous ? Absolument, puisqu'on est sur le sol algérien, donc il y a ce respect. J'utilise l'expression de Pierre Bourdieu, le capital symbolique historique de l'Algérie qui pèse lourd, qui pèse fortement quand il s'agit de la réunification des Palestiniens. Très bien. Alors Riyad Sidaoui, il y a aussi le contexte dans lequel se tiendra le sommet d'Alger. Il faut le rappeler, hein, donc le rendez-vous est donné pour les 1er et 2 novembre prochains, dans moins d'un mois, nous le disions. Mais c'est un sommet qui aura lieu dans une période un petit peu compliquée, hein, le sommet. Donc se tient notamment à la période de la guerre en Ukraine, mais aussi la crise sino-américaine sur Taïwan. Des bouleversements avec des répercussions directes, mais aussi indirectes sur les populations du monde. Avec toutes ces mutations, on parle maintenant de l'avènement d'un monde multipolaire. Donc, docteur Sidaoui, justement, quelle serait la place du monde arabe, des pays arabes dans ce monde ? Moi, je pense qu'il y a une occasion d'or. Je voudrais profiter de cette occasion d'or. Ça nous rappelle des années 60. Mm-hmm. Parce qu'après la chute de l'Union soviétique, les Américains, l'OTAN, nous a fait perdre combien ? Deux pays déjà, deux États arabes. L'Irak, l'invasion de l'Irak en 2003, la Libye, la destruction de l'État libyen en 2011. Ils ont failli aussi détruire la Syrie. Mais heureusement, l'intervention russe à sauver la Syrie. Donc, avoir un monde multipolaire, ça veut dire avoir des chances pour cette nation arabe afin d'unir leurs forces et de devenir une troisième force. Le non-alignement, ça nous rappelle des années 60, l'âge d'or des Arabes. Je pense qu'il y a des indices très importants afin vraiment de soutenir cette tendance et d'avoir une grande indépendance pour tous ces États arabes. Très bien, les enjeux d'influence n'ont jamais été aussi forts qu'ils ne sont actuellement dans un pays comme l'Algérie, connu pour ses positions de non-alignement, vous en parliez à l'instant. Les conditionnements ne lui sont pas forcément favorables. Alors selon vous, comment est-ce que l'Algérie peut-elle se faire une place et pouvoir se positionner, et surtout face aux menaces impérialistes et expansionnistes ? L'Algérie, c'est un pays souverain qui a toujours soutenu les pays arabes. L'Algérie était contre la destruction de la Libye 2011, contre la destruction de la Syrie en 2011. Nous savons bien, c'était la catastrophe du sommet arabe au Caire 2011. L'Algérie donc a soutenu toujours l'indépendance des pays arabes, a soutenu la cause palestinienne, la cause arabe, contre l'ingérence, contre l'intervention, contre l'OTAN, évidemment parce qu'il y a le 1er novembre, il y a l'héritage de la révolution algérienne qui pousse la diplomatie algérienne à soutenir tous les pays arabes dans cette voie juste.
Et vous le savez, monsieur Sidaoui, avec les bouleversements et les mutations qui touchent le monde actuellement, le principe de non-alignement est remis en cause, il est remis en question par plusieurs grandes puissances. Faut-il, selon vous, monsieur Sidaoui, remettre en avant ce principe de non-alignement? Et sinon, quelle en serait l'alternative? Non, absolument. Nous sommes une nation autonome. On a des capacités incroyables. On peut devenir une troisième force. On n'est pas forcément l'Occident, pas l'Extrême-Orient, nous ne sommes pas la Russie, la Chine, nous ne sommes pas non plus l'Union européenne. On a des capacités économiques, des capacités intellectuelles, des intelligences, on a la matière grise, on a tout ce qu'il faut, on a l'énergie, le pétrole, le gaz, le phosphate. Donc on peut être autonome, on peut être une troisième force mondiale. Il faut exploiter ces capacités arabes, ces capacités énormes, on doit les exploiter. Je pense avec l'Algérie va pousser dans ce sens, c'est exploiter nos capacités et devenir nous-mêmes une troisième force au plan international. Quelle serait justement la place de l'Algérie dans la région et surtout en Afrique? L'Algérie est un leader au plan africain et au plan arabe. N'oublions pas que grâce à la diplomatie algérienne, on a pu chasser l'entité sioniste de l'Union africaine. C'est avec le Sud-Afrique, avec la Tunisie et c'est avec le leadership de l'Algérie, on a chassé l'entité sioniste de l'Union africaine. C'est grâce à cette diplomatie inspirée des valeurs de 1er novembre qu'on a réussi à chasser l'entité sioniste de l'Union africaine. Donc vous êtes optimiste pour l'avenir de ce monde arabe? Absolument. Je suis optimiste parce que c'est à Alger. Parce que c'est Alger, parce que le lieu, comme je vous ai dit, a un symbole, et le 1er novembre aussi est un grand symbole historique. Donc je suis très très optimiste. Cette fois-ci, on a la garantie qu'il n'y aura pas un bombardement d'un pays arabe et il n'y a pas une résolution au sein du sommet afin de bombarder un pays arabe. Et quel serait donc, quel est le rôle de l'Algérie dans la région du Sahel, et dans le monde arabe et en Afrique? L'Algérie lutte contre le terrorisme. L'Algérie lutte contre l'intervention, l'ingérence occidentale ou autre dans les pays africains ou dans les pays arabes. L'Algérie pour les causes justes, que ce soit la cause des peuples sahraouis, que ce soit la cause palestinienne. L'Algérie est toujours dans la bonne voie. L'Algérie est toujours inspirée des valeurs du 1er novembre 1954. L'Algérie pousse à l'indépendance, à la souveraineté, à cette force qui a réussi à éliminer, qui a réussi à pousser la colonisation française. Monsieur Riyad Sidaoui, l'écrivain américain Samuel Huntington affirme dans son livre « Le choc des civilisations » a publié en 1993 que la question posée actuellement n'est plus de quel côté sommes-nous, mais plutôt qui sommes-nous. Alors Huntington qui considère le monde comme foncièrement multicivilisationnel et de ce fait multipolaire, est-ce que vous partagez son idée ? Multipolaire, oui, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que le monde a changé. Hein, le monde a changé. On ne peut pas avoir un empire qui a le monopole du monde, qui domine le monde éternellement. Et ça, c'est la philosophie de l'histoire, toujours. Toujours, il y a l'opposé. Donc, la domination américaine, après la chute de l'Union soviétique, aujourd'hui, est finie. Finie grâce à la Chine et grâce à la Russie. Je donne un chiffre. La Chine, en 2030, selon la Banque mondiale et l'FMI, va avoir le premier produit brut. Et va dépasser les États-Unis d'Amérique. Le Brésil va dépasser la France en 2030. L'Inde, déjà avec son produit brut, intérieur brut, a dépassé déjà l'ex-colonisateur qui est la Grande-Bretagne et la France. Donc le monde est en train de se changer radicalement, des nouvelles puissances qui sont sur la scène. Donc il y a une rupture avec la domination américaine. Et l'Algérie se positionne bien? Absolument, l'Algérie c'est toujours, comme je dis, le 1er novembre, c'est le symbole de la révolution, c'est le symbole de la souveraineté, de l'autonomie, on n'est pas aligné à qui que ce soit. Très bien, merci beaucoup merci. Monsieur Sidaoui. On en revient à parler de votre livre, donc nous le disions au début de cet entretien, du printemps arabe à Daesh, paru donc en 2017 aux éditions Apollonia. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de ce livre? Comment est-ce que vous l'avez écrit? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Moi, j'ai un modèle théorique scientifique en sciences politiques. Qu'est-ce qu'il fait qu'un régime tombe ou un régime persiste? Je suis inspiré du modèle de Charles Tilly, un politologue américain. J'ai dit 2011, le régime syrien ne tombe pas, n'est pas tombé. J'ai dit le régime libyen ne tombe pas, mais ce qui s'est passé en Libye, c'est une agression de l'extérieur. Je suis basé, j'ai analysé des déclarations. À titre d'exemple, la Syrie. Roland Dumas, ex-ministre des Affaires étrangères française,
disait sur un plateau d'une chaîne de télévision française, j'étais à Londres 2 ans avant la crise syrienne, ça veut dire 2009. Mes homologues anglais m'ont dit, on prépare un plan afin d'éliminer le régime de Bachar al-Assad. Quand le journaliste français lui a posé la question, mais pour quelle raison ? Il lui a répondu, c'est un régime qui ne veut pas signer un accord de paix avec Israël, c'est comme l'Égypte et la Jordanie, c'est un régime qui soutient la résistance palestinienne et la résistance libanaise, donc il faut l'éliminer, c'était un plan. Ah bon ? On a compris qu'on est face à un plan international, ce n'est pas une dynamique interne. La même chose la Libye. La Libye, c'est une agression de l'extérieur. Ce n'est pas une révolution, parce que la révolution, c'est une dynamique interne des peuples. Dès qu'il y a une intervention étrangère, on n'est plus dans les sciences politiques, on est dans les relations internationales. La même chose avec ce plan. J'ai cité Bernard Bajolet, ex-patron de la DGSE française, et quand il était patron, déjà, le 27 octobre 2015 à Washington, il déclare... Oubliez les cartes actuelles de la Syrie et de l'Irak, il y a de nouvelles cartes qui se composent. Donc il y a un plan 6 ou 2 afin de fragmenter la Syrie, l'Irak et aussi la Libye. La destruction de l'État libyen, la résolution de 1973 stipule l'instauration d'une zone d'exclusion aérienne et une vague phrase pour la protection des civils libyens. Alors, ce qui s'est passé, c'est le changement du régime par l'extérieur. Et ça, c'est contre la charte de l'ONU. Contre la charte de l'ONU, parce qu'on ne peut pas changer les régimes politiques de l'extérieur. Donc, ce qui s'est passé en Tunisie, en Égypte, parce que j'ai ma typologie de ce que nous appelons printemps arabe, et printemps arabe, c'est une nomination occidentale, j'ai ma propre typologie, l'Égypte et la Tunisie. C'est vrai, ce sont des révolutions. Pourquoi ? Parce que j'ai un modèle théorique qui analyse justement, les révolutions. Voilà. Modèle théorique, vous en parlez. Voilà. Vous citez dans vos ouvrages 3 facteurs pour faire tomber un régime. Voilà. Quels sont-ils, ces facteurs ? Alors, premièrement, il nous faut la radicalisation de l'opposition populaire. L'opposition populaire ne veut plus des réformes, mais un changement radical du régime. Deuxièmement, les divisions au sein des élites au pouvoir, les défections. Troisièmement, et c'est déterminant, la position de l'armée, soit une neutralité de l'armée, soit la trahison de l'armée vis-à-vis du régime. Et dans quel pays est-ce que ces facteurs ont été réunis ? La Tunisie, c'était clair. Les 3 facteurs ont été réunis en Tunisie ? Absolument, c'est pour cela que Ben Ali tombait rapidement, surtout la position de l'armée. Quand j'ai vu le 12 janvier 2011, 2 jours avant la chute de Ben Ali, j'étais avec une chaîne de télévision suisse romande, Les Monts Bleus. Quand j'ai vu que l'armée tunisienne se solidarise avec les manifestants, protège les manifestants contre la police, mais je dis Ben Ali, c'est fini, parce que j'ai le troisième élément, qui est la position de l'armée. La même chose, j'étais à Oxford Street, à la BBC, à Londres, sur l'Égypte, je dis Moubarak va chuter. Pourquoi ? Parce que j'ai vu que l'armée égyptienne se solidarise avec les manifestants et protège les manifestants. Donc c'est fini. Dès qu'on a ces 3 éléments en même temps, ce que nous appelons la situation révolutionnaire, le régime chute, le régime tombe. Évidemment, c'est la théorie de Charles Tilly contre la théorie de David Ashton, un politologue américain qui parlait d'input-output, mais son problème, il dit toujours la boîte noire qui est le régime, on ne s'intéresse pas à ce qui se passe dans la boîte noire. Charles Tilly dit non, on s'intéresse beaucoup à ce qui se passe dans la boîte noire qui est le pouvoir. Donc, dès qu'il y a des défections au sein du pouvoir, et dans les défections, il y a ce que nous appelons les calculateurs, les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires de l'État. Ils disaient où je gagne. Est-ce que je gagne avec la révolution ou je gagne avec le pouvoir? Quand ils voient que la dynamique de la révolution est assez puissante, forte, quand ils voient la position de l'armée est en faveur de la révolution, donc ils changent les camps et ils deviennent aussi partisans de la révolution. Ce que nous appelons les opportunistes, mais malheureusement, ce sont ces opportunistes aussi qui font le succès du phénomène révolutionnaire. Et dans vos œuvres, vous faites souvent appel, hein, vous revenez souvent sur des citations d'hommes politiques. Absolument, absolument. Joe Biden lui-même, quand il était vice-président de Barack Obama, devant les étudiants de l'université Harvard, on a la vidéo sur YouTube, il disait « Mon ami Erdogan, il disait c'est deux pays arabes, il finance ce qu'ils appellent les extrémistes syriens. Ils veulent éliminer le régime de Bachar al-Assad. » Donc eux, ils parlent des plans d'intervention. Parfois, on me dit « Vous parlez d'une théorie de complot. » Mais je ne parle pas d'une théorie de complot.
Mais je parle des plans et je parle des déclarations officielles, que ce soit des ministres des Affaires étrangères, des présidents, des chefs des services secrets. Ce sont leurs déclarations. Eux, ils parlaient d'un plan. Mmh. C'est Roland Dumas, il parlait d'un plan. Ce n'est pas moi qui parle d'un plan. Très bien. Et à propos de plan, monsieur Sidaoui, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, je pense que le monde arabe a été visé. Par exemple, la question libyenne, la crise libyenne. Je pose toujours la question, mais qui vous avait dit que l'OTAN, qui a détruit l'État libyen en détruisant son armée, veut une solution vraiment pacifique pour la Libye? Ils ne veulent pas Sabri Boukadoum, l'ex-ministre des Affaires étrangères algérienne. Ils ne veulent pas mon ami Moulji Hamdi, l'ex-ministre des Affaires étrangères tunisienne. Ils veulent quelqu'un d'autre parce qu'ils ne veulent pas résoudre le problème libyen. Ils ne veulent pas résoudre la question libyenne. Et pourquoi pas, on n'exporte pas cette anarchie libyenne à l'Algérie, à la Tunisie, en Égypte. Donc, ils veulent cette situation chaotique en Libye. Pourquoi pas, on ne l'exporte pas à l'extérieur. Le plan existe bel et bien. On a tous les arguments qui confirment cette thèse. Donc, à nous d'être très, très vigilants et de savoir que jamais, jamais on détruit un pays afin de propager la démocratie. La démocratie, c'est un processus interne, c'est une dynamique interne du peuple. Ce n'est pas à exporter la démocratie. D'ailleurs, même les pays occidentaux, ils ont un problème de démocratie. Jusqu'à nos jours, le président, l'ex-président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, il disait qu'il y a une fraude électorale. Et le succès de Joe Biden est faux. Je n'accepte pas. Jusqu'à nos jours, on a vu ce qui s'est passé au Parlement américain. Donc, eux-mêmes, déjà, ils ont leurs propres problèmes. Comment exporter la démocratie? La démocratie n'est pas exportable. C'est un processus interne. C'est une dynamique interne des peuples. Alors, vous étiez présent au Forum de la société civile à Oran. Qu'est-ce que vous en retenez? On a quatre recommandations. Premièrement, la libre circulation des personnes, parce que la Ligue arabe est fondée en 1945, alors que l'Union européenne, c'est plus tard, mais le résultat est catastrophique pour la Ligue arabe. Deuxièmement, la libre circulation de la marchandise. Troisièmement, la question palestinienne doit revenir à la une. Quatrièmement, aussi, il faut interdire aux pays arabes de sanctionner d'autres pays arabes, de participer aux embargos contre d'autres pays arabes en faveur d'autres puissances étrangères, souvent qui sont les puissances de l'OTAN. Donc, on était clair, et ça, c'est la société civile, ce sont les recommandations de la société civile qui vont être envoyées au sommet arabe prochain. Donc, il faudrait que le monde arabe soit un peu plus unifié. Absolument. Vigilance, unification, le processus de la démocratie, c'est un processus interne, il n'est pas exportable, il n'est pas importable, et unifier nos forces, on a une occasion historique, une occasion d'or, puisqu'il y a un nouvel ordre mondial, donc on peut profiter de ce nouvel ordre mondial, ça nous rappelle des années 60. Merci beaucoup Monsieur Riyad Sidaoui d'avoir répondu présent aujourd'hui, d'avoir accepté de venir sur le plateau d'Al 24 News. Merci. Alors je rappelle que vous êtes directeur du Centre arabe des études politiques et sociales à Genève. Merci à vous. Merci à vous, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur Al 24.